Are you insane, Mike? Been in pain, Mike. Bought $100 bottle of champagne, like. Bonjour à tous, c'est Codric. J'espère que vous allez bien. Donc la mise à jour, elle vient de sortir. Enfin, il est 18h, donc apparemment ils avaient fermé les serveurs un petit peu avant. Donc là, on va rentrer dans la banque et du coup, on va voir du coup le stock de 6000 familiers qu'on avait. Donc je vous montre vite fait tout ce que j'ai là. Donc il y a des chachas, il y a des atouins, il y a des bouacs de toutes les couleurs, il y a des péquis, il y a des chachas blancs, il y a des minototes, il y a des koalas sanguins, des chats, comment je me rends, ça s'appelle, des fantômes, des bouloutes, des wabits. Il y a à peu près tout, hein. On va trier par nom vite fait pour que vous puissiez mieux visualiser les choses. Voilà, c'est que des chachas presque. Regardez. Là, Wabbit, Korbac, Chat, Peki, Papyrus. Alors, est-ce qu'on peut toujours le mettre non abonné? Ouais, on peut toujours le mettre en non abonné. 400 vitalité, 30 tacles. Voilà, donc là il y a des crocodiles. What the fuck? Écoutez, je vais mettre ça de côté. Je vais aller. Je sais pas si Ankama a fait une réponse à propos des fantômes, mais ça me paraît quand même bizarre qu'il y en ait autant. Ne soit pas résumé, il me semble que c'est en fonction des du moment où on les a eus, parce qu'apparemment les 1.29 ou encore un petit peu avant, et ben ils n'avaient pas le même fonctionnement niveau point de vie, et ça a peut-être ne pas été pris en compte dans leur programme qui restait les familiers. Donc beaucoup de quack, beaucoup de burki, beaucoup de chacha. Bon, et sinon, le plus important, c'est pas vraiment les familiers, parce qu'en soi, ils coûtent tous peu. C'est les croquettes. Elles sont les croquettes. Ah oui, je suis tout en bas. Je me disais, c'était bizarre. Et donc, toutes les croquettes sont là. Donc, on va les prendre. Super. Donc, il y en a un paquet. Hein. Regardez, il y en a qui sont en 71. 21. Donc en fait, il y a des croquettes qui donnent 500 d'expérience pour 100 de pépites. Ça paraît peu hein, en soi, parce que je vais reprendre des familiers, j'en ai ça dans mon sac. Bah en soi, on a 500 d'XP pour 100 pépites, ça fait 25 000 kama. Alors je sais pas comment ça marche, mais pour à peine 1 million, pour moi, on peut résumer un familier. Donc là, je vais nourriture pour famille. Ah oui, d'accord. Je vais prendre encore des croquettes. Donc là, c'est mon réserve de cartes. D'ailleurs, ceux que j'ai des cartes sur Rush, dites-moi, j'ai tout. Je peux vous les faire pas forcément très cher. Et du coup, ils sont là, les familiers. Pute. Ah oui, c'est une pute, ça, ok. Alors lui, il est passé en apparat. C'est bien, s'il me semblait. Sinon, il y a des bourki, il y a des bisous lourds, donc ça a l'air vraiment pas mal, ça risque de bien se vendre. Alors lui, il est vraiment cheaté aussi. Quoi? Ah non, c'était l'autre, c'était le cougnard. Enfin voilà quoi, il y a rien de... je cherche juste mon bourki. Ouais non, en fait, c'est ça. J'avais un bourki en gros qui était mimbiote, bah c'est lui. Donc par exemple, là je vais prendre mon petit burki, donc que j'avais enlevé de mon équipement rapide parce que ça me saoulait qu'il meure. Donc je l'avais viré, j'avais mis en dragon d'Inde, hein, et c'est quoi ce bordel? Oh, je suis pas fou, je l'ai pris hein. Pourquoi il est...
Donc le worky, bon, on va le résu, écoutez. Ah, pas résu, on va le up, excusez-moi. Donc on va commencer par ce truc là. Je sais pas, moi je brouille de faire des conneries. Familier niveau 40. Ok. Hop, je te monte encore. Ah oui, d'accord. C'est pas du tout linéaire. Ah ouais, c'est pas du tout linéaire. C'est comme le Dragon d'Inde, quoi. Ah d'accord, on peut voir combien de subs. Ok. Donc là, j'up de 3 niveaux. Ok. Et genre là, j'en ai de 35 niveaux. Okay. Est-ce qu'on peut double-clic? Non, pas double-clic. Toujours pas niveau 100. Donc niveau 100, si je dis pas de conneries. Hein. Et en fait, on a presque la meilleure panneau qui existe, hein, parce qu'on aura 34 000 pods. Et toujours pas de niveau 100. Mais c'est que c'est long. Ah ouais, mais ça prend 180 000 d'XP. Oh. Attends, je vais pas niquer mes croquettes, moi. Je sais pas si ça. Il y a un message qui bloque le. Que ça me prenne pas tout d'un coup si elle a pas besoin de toute la quantité. Mais bon, je me méfie. Et là, il me faut encore. Oula, il y a le temps. Ouais, je vide les croquettes. C'est le niveau. Et donc là, ok, il est au niveau maximum. Ouais, mais bon, moi je trouve ça normal, Omega, parce que tout le monde aurait des tout niveau 100. C'est un peu n'importe quoi. Et donc là, j'ai 34 010 de pod. Donc, il me semble que personne n'a pu dépasser 34 000 avant ça. Sachant que j'avais déjà présenté mon stuff pod, mais je pense que je vais essayer d'optimiser, parce que ça, en soi, je pourrais le mettre à 200 pod. Je pourrais l'optimiser. Celle-ci en soi, j'avais galéré de ouf. Hein. Je sais pas si Darfudala, parce que je l'avais filé à Darfudala. Je sais pas si elle avait réussi à la mettre à 200 potes, faudrait que je lui demande. En fait, ça pour Ephemeral Météré, vous spammez Orbe. Parce qu'en gros, il y a 142 forces de base dessus. Donc il n'y a pas une échelle de 120 à 140, ça met direct à 140, et là tu spammes rune pod, donc orb, pod, orb, pod, orb, pod. Et donc dès que tu fais un succès, tu dois refaire un succès dessus, et du coup ça coûte vraiment cher, hein, vous imaginez bien. Donc là on a up notre petit compagnon, donc ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas savoir l'expérience qu'il a accumulée, quoi. Donc je sais pas comment je peux faire pour... Je voulais calculer en gros avec le prix des pépites actuelles combien ça revenait à up un familier. Donc ce que on pourrait faire, c'est résoudre la piote rouge, pas la piote rouge, le blaireau doux. Parce que je vais l'utiliser pour mes modes à moi. Après j'ai des chromes, c'est bien fait buzz sur les chromes. Ah ouais, je voulais voir s'ils avaient corrigé le familier. Le chuchu. Ouais, il est encouragé. Bah, heureusement. Quoi, il est niveau 1? On peut le mettre niveau 1? Ah ouais, d'accord. C'est bizarre. C'est le niveau du familier, c'est pas le niveau où on peut le mettre. Je sais même pas où on peut le voir ça. Oui, on peut les mettre niveau 1 les coups, ok. Ça, on peut le mettre niveau 80. Donc là, bah, je vais essayer le up. Hein. Donc les débuts de level, vous voyez, c'est ultra, ultra rapide. Elle est déjà niveau 86. Et le plus dur, bah, c'est la fin. Du coup... J'aimerais bien voir le graphique de comment évolue
Alors, quand c'est mieux. Bon, je vais le up et on va voir après. Donc voilà, je l'ai up, du coup il donne 120 d'agi et 20 d'OR. C'est, en vrai c'est trop fort. Faire des dos fixes abusés. 1300 d'agi, 200 R fixe, ah, putain. Ça doit envoyer des grosses patates. Donc il y a plus de 160 000 d'XP à mettre. Donc sachant que les croquettes, donc je vais vous montrer où ça s'achète, c'est au temple d'Azalliance. D'ailleurs il y a un petit bug d'affichage, je vais vous montrer là. Quand on veut acheter le chrome, enfin l'escalador pardon, il donne pas les pourcents. Il donne pas les pourcents maximum, c'est pas normal. Ça devrait les afficher en haut. Et donc du coup les Sirocco ils font 160 et ils virent le malus de vitalité. Et donc les croquettes mineurs sont ici. Donc on va prendre parce qu'en gros là je pense que tous les familiers font le même nombre de d'expérience pour les up. Et là j'ai compté qu'à 160 000 j'étais au niveau 98, donc c'est environ 180. Donc on va faire 180 divisé par 500 et il faut 360 croquettes enrichies, sachant que ça coûte 26 000 kama les 100. Waouh, putain j'étais loin de mon calcul hein. Ça fait 9 millions le hub familier avec des croquettes. Ça fait cher hein. 9 millions pour up un familier niveau 101. Donc si je dis pas de conneries, il y a des ressources qui up les familiers. Le truc très intéressant que certains auraient pu faire, c'est en amont sur la bêta, prendre tous les toutes les ressources, mais c'est, ça prend du temps. Hein. Faire un Excel, montrer combien elle met d'XP en fonction de la ressource, et là tu fais un Excel avec les prix. Tu te fais du blé, en gros tu sélectionnes les ressources. Qui up les familiers pour pas cher, c'est un petit peu comme le recyclage au final, et tu te fais plaisir hein, tu up des familiers pour pas grand chose, mais je sais pas du tout comment c'est fait, mais bon c'est encore une fois c'est vraiment bien quand Kama est mis en place, ça va permettre et ça se vend les croquettes, je crois qu'ils étaient liés. Ah non c'est que les notes qui sont liées au compte. Donc voilà, donc là j'ai monté deux familiers, il m'en reste plus tant que ça des croquettes hein. Mais on va dire ça coûtait 10 yens. Okay. Donc je vais les garder pour le moment parce que je pense moi en soi ce dont j'ai besoin c'est la piute. Le blérôme et le borki. Et tous les autres, alors il y aurait le 120 agi, 120 en force, mais je sais pas si c'est rentable, je préférerais mettre un muldo en vrai. Et du coup il y a les objets d'apparat. Donc là j'avais une pioche verte. Ouais du coup il serait vraiment pas mal cette pioche pour les... quand on est contre un... En mode roublard il me la faut. Donc je vais le monter. Hein. Parce qu'en soi en vrai prendre le 120 force et 20 dos est plus avantageux. Hein. Ouais. Et tout c'est mettre à la poubelle. Hein. Les blérômes et les trucs comme ça c'est bien plus rentable. Ah bah il est là. Oh putain c'est cool. Parce qu'en gros on serait plus 50% de crit. Ça serait worse, mais il y a peu de stuff qui donne 40 crit, 50 crit pardon, qui soit en tape que ça, sachant que mon mode Roub, il a... Bon allez Jean-Charles. Pourquoi ça me tirait des sorts? Ah oui d'accord, je sais pourquoi. Il a 50% donc mieux vaut up ce truc. Donc voilà, donc par exemple on va mettre la para.
Donc la para du bras qui doit être sympa. Donc celui-là. Quoi que l'autre il passerait bien aussi. Parce que bon, il est pas très adapté à mon objet d'apparat. Tous toujours échangeables. J'ai bien fait de lui mioter un bouclier cassé. Donc là, ok. Parce que c'est beau. Oh, ça passe. Hein. C'est pas ultra. En l'autre façon, il faudra que ça teste dans l'inventaire ça. Objet d'apparat. Ah, le cul, il y en a, j'ai d'accord. Je traînais la nuit, j'avais même pas 10 ans. Je connais les gens, c'est des grands les 10 ans. Je préfère avoir un poteau bête et méchant comme d'autres. Voilà, tu tournes la tête. Je pense que c'est propre, mais il faudrait que j'enlève sa tête. Dégueulasse. Bon allez, on va mettre, on va le je vais le up hein, et bon, on va pas prendre trop de temps. Donc là il me reste vraiment plus de croquettes. Je sais même pas si je peux encore en up un. Ah si, là j'en ai énormément là. Et du coup bah voilà, j'ai fait mon mode rouble. Donc vous le voyez là, je peux montrer sur les vidéos, mais bon, il envoie des grosses patates. Enfin voilà, bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Bon, je vous montre juste ma personne. Il n'y a aucun égo, je vous montre juste que j'avais beaucoup de familiers, que j'avais beaucoup de croquettes, etc. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Enfin, c'est, on peut l'apprendre de nous-mêmes, hein, mais bon, savoir où c'est les croquettes, comment un familier, bah, t'as juste à faire comme ça. Que certains familiers sont passés en objet d'apparat, du coup, c'est le cas ici, etc. Vous aurez appris des choses et permis. De faire des choses, mais encore une fois, si vous voulez faire des camas, je pense qu'il est utile de prendre un Excel et mettre les ressources qui font des up sur les familiers. J'en suis pas du tout servi pour le moment, mais je pense qu'il y a moins de 50 000 de camas. Enfin voilà les gars, je vous laisse, à bientôt pour une nouvelle vidéo et bye bye.